Qu'est-ce qu'on fait Lolo aujourd'hui? Je suis pas inspiré là. Bah déjà tu vas ouvrir ton Komoot là, tu vois, là. Et puis on va aller faire du gravel pour une fois. Ok, ça c'est une bonne idée. Ça va changer de la route. Alors vas-y. Et je vais te mettre une séance, mon pauvre. Je vas découvrir le Pays Basque en long, en large, en travers. Je te sens venir. Donc ok, gravel, conditions physiques pro, on part sur une boucle, on est d'accord? Oui, une boucle, très bien. Ok, on part d'où? On part de Itsasu. Ok, nickel. Ici même. Itsasu en direction du Pas de Roland. Ah, je te vois venir. Simple, efficace, tout le monde connaît. Donc tu vas m'amener à Artsamendi encore, toi. Voilà. Donc Artsamendi, c'est pour te mettre en canne, tu vois, parce que bon, c'est vrai qu'avec tes petites pattes de Parisien, t'as pas l'habitude de monter à l'école. Donc on va te mettre dedans direct, tu vois. Mais je te fais un cadeau, on va pas jusqu'en haut. Ok. C'est-à-dire que on avait fait. Ouais. Donc jusqu'où? Là, tu montes. Ouais. Et là, on avait fait le départ avec Quentin, tu sais, pour le chrono. Ok. Et bien, on va tourner à droite au lieu d'aller à gauche. D'accord, là, on part en full piste gravel. Voilà. Et là, tu arrives sur un espèce de petit parking. Et hop, on retourne à droite. Là, tu es sur la piste gravel. Ok. Et là, on longe toutes les montagnes. Avant d'arriver sur une route, c'est un autre col, en fait, qu'on commence à monter. Et on redégage à gauche. Et là, tu es dans la une vallée. Tu relonges les montagnes et tu remontes. De là où on est parti. Mais ça m'a l'air magnifique tout ça. Écoute, moi, je suis fan. On va ajouter quelque chose quand même. Incontournable. Ok, plage et piscine. Il n'y en a pas. Pour les enfants, on coche, on sait jamais. Nous, oui, on trouve toujours quelque chose. On aime toujours s'arrêter sur les aires de jeu. Et on va quand même mettre, parce que c'est toujours bien pratique, les fontaines publiques. Ouais. Je suis pas sûr qu'on en croise des masses non plus, mais c'est pas grave. Il y en a. Si on veut faire un petit détour, tu vois, voilà. Il y a ce qu'il faut. Ok, parfait, bah, je te propose qu'on aille s'habiller. Allez, feu. Tu vas où comme ça? Bah faire du gravel. Mais c'est quoi cette dégaine de Hans là? On n'est pas en Allemagne. Bah c'est pas Hans. C'est les claquettes de la Clan Morton. Tu me fatigues, franchement tu muses. Allez, garde le sourire. Enlevé le bob cochonou, j'ai mis le casque quand même. Ça va mieux, non? Ouais, mais t'as gardé tes sandales dégueulasses. Bah forcément, on va les tester. Allez. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est parti. Putain, les Parisiens, c'est un truc de fou. C'est là qu'on part en gravel, mon Lolo. Exactement, là on a eu un petit avant-goût juste avant, mais là on est bien dedans, les belles pistes. Déjà ça ressemblait bien au final d'étape de la Vuelta, Los Machucos avec... On est dedans. Dis-moi, j'ai vu que tu m'avais rempli mon bidon, je te remercie, j'imagine que c'est parce que tu voulais que je te le transporte en fait. Exactement. Tiens, hydrate-toi là. Merci. On est reparti, Lolo. Je t'attends. C'est parti. Comme toujours. Salut toi! Allez, on amène! Arrêtez une minute, mon Lolo, j'ai un petit coup de mou, je vais me faire un petit gel. Oh, les petites natures. Bah, ça fait du bien de s'alimenter. Vas-y, ma Brenda. C'est bon, tu t'es alimenté, tout va bien? Ça y est, j'ai fini mon petit déj. Bon, bah écoute, on a fait la première moitié, là on va entamer la deuxième partie gravel. On est bientôt arrivé, hein, t'inquiète pas, mon petit Flo. Non, c'est très bien, c'est très bien. Ça va bien se passer. J'avais juste un petit besoin d'alimentation, mais tout va bien. Bon, ok. On a fait le plus gros du dénivelé en tout cas. Maintenant, ça descend. Impeccable. Allez, on y retourne.
Hop, hop, hop. Et voilà mon petit Flo. Alors, t'es content de cette belle sortie? Bah écoute, c'était très sympa. J'ai découvert l'autre côté de Artsamendi. Je pourrais au moins dire que je l'ai monté en sandales cette fois-ci. Mais j'étais assez surpris, je dois dire, parce que c'est pas une sortie familiale que tu nous as prévue. Hein. C'est quand même du solide. Donc si vous passez par ici, que vous avez l'ambition de le faire, vous pouvez d'ailleurs retrouver la trace sur le Komoot de GCN en français. Prévoyez les bons braquets et c'est du vrai gravel de l'autre côté. Hein. Oui, bon, après, on avait prévu de faire des passages pour enfants, hein, à la base. Hein, non, mais bon. On avait coché R pour enfants dans Komoot. C'est pas la même chose. Si, c'est pareil. D'ailleurs, mais... j'en ai pas vu beaucoup. Non, on en a pas vu beaucoup. Mais bon, si vous voulez faire beaucoup plus simple, déjà, enlevez le col d'Artsamendi, partez d'en haut, et là, ça va vous enlever un gros bout de dénivelé. Ce sera beaucoup plus simple et il y aura quasiment que de la montagne. Ouais, c'est magnifique en haut. Par contre, prévoyez à manger et à boire parce que vous n'allez pas croiser beaucoup de supermarchés. D'ailleurs, en parlant de manger, moi je commence à avoir faim et tu vas voir pourquoi les sandales, eh ben, c'est quand même pratique et c'est pour ça que je les ai prises. Hop. Pratique n'est pas forcément beau. Moi je repars comme ça. La nonchalance. Et merci la clap.